Ok, dans ce définitif de la chandeur. Je suis en train de changer les dernières serrures, juste là, en dessous de moi. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps. Ok, pour tous ceux qui viennent de débarquer sur cette vidéo comme ça, sans contexte et par hasard, je m'appelle Barbara Dos Santos, je suis journaliste, enfin j'étais journaliste. Chez la Lingua Rosa de la Minette, le seul journal régional de Luxembourg, pendant plus de 40 ans. Voilà, il y a quelques semaines, on a été contraint de mettre la clé sous la porte et depuis là, je me suis donné comme mission de découvrir ce qui se cachait derrière cette expulsion. Pour vous donner les grandes lignes de mon enquête, Esch va devenir la petite sœur de la grande cloche d'or. Voilà. Un vaste champ de béton, chic, et vendu le mètre carré au prix d'or. Que ni toi ni moi, on pourra pas se payer. Parce qu'on n'a pas fait bac plus 5 économie, ou parce qu'on travaille pas auprès de l'État. Voilà. La question maintenant est, qu'est-ce qu'on va faire de cette information ? On va rester les bras croisés. À faire semblant de ne pas savoir que toute la richesse de Esch a été bâtie sur le dos d'immigrés, sous-payés pendant des décennies. Des gens comme nos grands-parents ou nos parents qui se sont battus pour que nous, la nouvelle génération, on ait un espace de vie, on ait du travail, on ait un futur dans cette ville. Est-ce qu'on va permettre qu'on nous arrache notre héritage ? Où est-ce qu'on va serrer les coudes une bonne fois pour toutes et dire non, on n'est pas des pigeons et oui, on sait ce qui se passe derrière toute cette modernisation de cette ville. Si on nous fout à la rue, prenons la rue. Si on nous enlève notre place, reprenons notre place. Et résistons ensemble, une bonne fois pour toutes. Résistants, ensemble. Place de la résistance. Brille-Platz. Je sais que ça peut paraître complètement dingue, mais c'est la seule façon de prouver à ces investisseurs, à ces promoteurs, à ces gens pleins de fric, qu'on veut rester ici, à notre place et dignement. Rejoignez-moi. Le 2 juillet. Je compte sur vous.